pas encore eu l'occasion de croiser. Alors, comme l'a dit Philippe, je vais essayer de faire une présentation sur la reprise de l'entraînement, telle qu'on peut la vivre, nous, dans nos clubs, à un niveau régional. De pré-national, d'excellence, voire même de national, c'est-à-dire avec des contraintes assez lourdes, peu d'entraînement. Le besoin, donc, avec un double objectif du moment début de saison, avoir une reprise physique, préparation physique, et en même temps reprendre, avoir une préparation collective, une préparation d'équipe. Alors moi, je vais beaucoup insister sur la partie préparation physique, la partie préparation collective, tout ça, on l'abordera un petit peu en conclusion, tout du moins comment on peut l'intégrer dans les entraînements, tout du moins sur le volume que doit avoir la préparation physique par rapport à la préparation collective. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est que les deux sont importants. On ne peut pas se contenter, nous, à notre niveau, d'avoir une de bloquer 2-3 semaines sur de la préparation physique, sur de la préparation athlétique, sans rentrer tout de suite dans la préparation d'équipe, que ce soit sur les fondamentaux ou sur les collectifs, sur la mise en place de la défense, enfin bref, toutes les composantes du basket. Le principe que je vais avoir tout au long de... qui va guider toute l'intervention, c'est que plus on va se rapprocher sur une préparation, on va dire une moyenne 6 semaines, je pense que la plupart d'entre vous, on est sur une base de 6 semaines de préparation, 6 à 8 semaines, c'est que plus on va se rapprocher de la première journée de championnat, moins la préparation va avoir d'importance, et plus on sera dans de la pratique spécifique, pas de la préparation spécifique, mais de la pratique spécifique du basket. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'amener son équipe, hein, c'est que son équipe soit prête première journée de championnat, et sur le plan physique, et surtout sur le plan basket. Donc on va essayer d'abord, juste avant, un petit préambule sur les différentes façons d'aborder la préparation physique. Il y a trois types de préparation physique, hein, grosso modo. Il y a la préparation physique totalement dissociée. Donc ça, c'est-à-dire que on isole la préparation athlétique des joueurs de la pratique spécifique. Donc ça nous permet, alors ça a des avantages, c'est que ça permet vraiment de paramétrer ce que l'on veut travailler, de mesurer ce que l'on veut travailler. Grosse difficulté, c'est que quand on s'entraîne 2-3 fois par semaine, c'est impossible à faire. Hein, on ne peut pas consacrer des séances complètes, 100% de la séance, pendant plusieurs séances, pendant plusieurs semaines, à la pratique, à une préparation athlétique. Donc ça, c'est valable sur les espoirs, sur le monde professionnel, sur tout le niveau, quand on a des joueurs qui sont disponibles 2 fois par jour. Donc ça, on ne l'abordera pas. Il y a un deuxième type de préparation, c'est la préparation physique associée. Donc, la partie préparation athlétique du basketteur, elle est intégrée dans l'entraînement. Elle est intégrée dans l'entraînement, pas forcément avec ballon, pas forcément dans des situations de jeu, mais il y a une alternance entre préparation athlétique et préparation basket. Et enfin, c'est ce qu'on appelle la préparation physique intégrée, c'est qu'on prépare, donc là, la préparation physique est intégrée dans les situations basket, dans le jeu, dans les situations de contre-attaque. Alors, ce qui vient naturellement, c'est de se dire que, ben, par rapport, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'attente des joueurs, leur motivation, la disponibilité, enfin bref, toutes les contraintes qu'on peut avoir, c'est que la préparation physique intégrée, c'est la bonne solution. C'est la bonne solution, sauf que il y a beaucoup de choses que l'on ne contrôle pas dans ce que l'on veut faire avec la préparation physique intégrée. Il y a... Alors, lorsque j'étais en formation, j'ai suivi la formation à l'INSEP, le préparateur physique basket, il y a quelques années, donc il y avait M. Fred Aubert, qui est maintenant préparateur physique de l'équipe de France masculine, féminine, et qui est également sur le centre fédéral, qui lui était responsable à l'époque, enfin, peut-être encore maintenant, de cette formation, qui avait un avis assez tranché sur la préparation physique intégrée. C'est que, pour lui, la préparation physique intégrée en tant que telle, c'est de la pratique spécifique. Et que c'est du basket, on n'est plus dans de la préparation physique. Un exemple tout simple, un ailier, quand il fait des contre-attaques, il ne travaille pas sa vitesse, il utilise sa vitesse. Et ce n'est pas la même chose. On développe. La
petite nuance là. Quand on fait des contre-attaques, on sollicite, on a l'impression qu'on travaille un peu la vitesse, on voit un peu l'aérobie, tout ça, mais on ne travaille pas spécifiquement la vitesse, on l'utilise. On utilise ses composantes, on utilise les qualités premières de la vitesse pour faire des contre-attaques. Donc dans ce que je vais te présenter un petit peu, que ce soit pour la vitesse, pour l'aérobie, pour l'endurance, tout ça, ça va être de trouver un peu le juste milieu entre et trouver des situations qui nous permettent de développer certaines qualités. On va voir lesquelles après, parce que je les ai ciblées, parce qu'on n'a pas notre pivot, on ne pourra tout développer. J'ai ciblé deux qualités à développer. Et que ces qualités physiques, on va les travailler avec sans ballon, on va les travailler, ça je vais présenter ça tout de suite après, et qu'elles nous servent vraiment et qu'on les développe. Qu'on ne soit pas simplement sur les exercices, sur les situations, à utiliser ces qualités-là. Alors bien sûr, quand on arrive en début de saison, qu'on n'a pas fait de sport pendant 2 mois, on a l'impression de progresser. Mais c'est très vite limité, au bout de quelques entraînements, on avance plus. Donc l'objectif, ça va être sur ces deux qualités physiques, c'est vraiment ça va être de préparer les joueurs, d'améliorer ces qualités physiques pour être prêt physiquement. Alors, avec aussi toujours en pensant qu'on ne se prépare pas à faire quelque chose en faisant comme, c'est ce que j'ai. Mais là, on ne se prépare pas. On ne développe pas la vitesse en faisant que de la course. On ne développe pas l'aérobie. Enfin, quand je parle d'aérobie, c'est l'endurance, la résistance, tenir les distances, tenir les matchs. On ne la développe pas en faisant que l'on prend du jeu. Bon, je vais essayer de présenter pas mal de petites choses. Alors les qualités physiques qui sont nécessaires, qui me paraissent les plus importantes à notre niveau, sur des niveaux régionaux, nous ce que l'on a envie d'avoir, c'est d'avoir des joueurs qui soient capables de mettre de l'intensité sur les matchs, c'est-à-dire en attaque, en défense, de tenir cette intensité sur une durée de match, d'être combatif, de ne pas baisser de régime, de ne pas baisser en régime, de ne pas baisser en intensité sur 40 minutes. Donc, et ce que l'on retrouve là-dedans, ça va être l'aérobie, l'endurance, la capacité à tenir des efforts, à les répéter, sans perdre en intensité, sans perdre en lucidité, et sans perdre, surtout après, au niveau basket, sans perdre en qualité technique après au niveau basket. Parce qu'on sait très bien que plus on est fatigué, plus il va y avoir de déchets sur les passes, sur les dribbles, sur les tirs, surtout sur l'adresse, c'est là où c'est le plus flagrant. Donc l'objectif, c'est d'être prêt au niveau aérobie, d'avoir une grosse capacité au niveau de l'aérobie, au niveau de l'endurance, pour tenir, pour répéter des efforts. Et la deuxième chose, c'est la vitesse. Pour être capable d'aller vite, pour être capable de défendre bien, donc voilà, toutes les notions de vitesse avec la vitesse vraiment dans toutes ses composantes. Donc je finirai par la vitesse, justement la vitesse ça va être toutes les composantes de la vitesse. Dans les composantes de la vitesse, on va retrouver gainage, forcément, la vitesse gestuelle, le travail d'appui, de la vitesse de l'explosivité, de la pliométrie. Ça, c'est les composantes de la vitesse. La vitesse, c'est pas simplement que courir. Ce qui fait qu'on arrive à courir vite et à courir plus vite, à développer cette qualité-là, c'est tout un tas de choses qui sont le gainage, l'explosivité, la pliométrie. Donc la vitesse gestuelle, c'est. C'est très bien, il y a 2-3 petites choses là-dessus. C'est toutes ces composantes-là. Alors, pour préparer sa saison, il faut déjà connaître un petit peu. Réfléchir un petit peu sur le type d'efforts qui sont demandés au basket. L'effort pour défendre, pour courir. Le basket, c'est un sport comme le tennis, comme tous les sports et les autres sports pro. Ce sont des efforts qu'on dit intermittents. Le basket, on ne court pas pendant 10 minutes sans s'arrêter. C'est une succession d'efforts plus ou moins intenses, mais surtout des efforts différents avec des temps de récupération. Alors on va commencer par l'aérobie. Donc sur comment travailler l'endurance, comment travailler l'endurance, la résistance. Alors je parle d'aérobie d'une façon générale, pour ceux qui sont un petit peu, pour ceux des filières stats, qui sont un peu plus là-dessus. Je vais pas faire la différence entre les différentes filières. Parce que alors là, dans 10 minutes tout le monde dort. On va parler vraiment la capacité à tenir un match, à répéter des efforts. Alors, pour travailler ça, il faut déjà
Parce que envoyer avec une mère les joueurs en début de saison, si on les envoie courir comme ça faire un footing, d'ailleurs, c'est pas réclair. C'est des choses qui sont de moins en moins, qui ne sont pas utiles, en plus, qui ne sont pas très utiles. Pour connaître le niveau physique de ces joueurs. Pour connaître le niveau physique de ces joueurs, il y a une multitude de tests. Alors il y en existe, il y a certains plein, enfin, il y a des dizaines et des dizaines de tests, certains sur piste, certains sur bonsal. Moi je vais vous en présenter un qui est spécifique basket. Donc, qui a été développé par Martin Fuchsheim, c'est un préparateur physique qui était lui plutôt dans le handball sur Strasbourg et qui avait créé un test pour le handball et qui a été après décliné pour le basket avec des efforts vraiment en prenant en compte les caractéristiques du basket, donc des efforts intermittents. Et surtout avec sur ce que l'on peut faire sur un terrain de basket, c'est-à-dire avec les lignes d'un terrain de basket. Alors, on va le présenter juste simplement donc, par rapport aux joueurs qui sont là-bas. Tout ce que je vais présenter, on va le faire un petit peu. On ne va pas faire le test complet. Après, on va faire le travail intermittent. On va faire un petit peu simplement pour illustrer. Juste après, ils ont encore une intervention. Et puis, ça nous prendrait un petit peu de temps. Le test que je vais vous présenter là, il faut compter une vingtaine de minutes sur un entraînement. Alors, donc ça s'appelle Fuchsheim. Alors, tous les documents, enfin. Je pourrais les transmettre à Aïd. Si vous voulez récupérer tout ce que je vais présenter là, ce sera disponible. Notamment les tests, les petits fichiers qui vont avec, pour être présents. Venez, s'il vous plaît. C'est de la marche et puis après ça. Donc là, ils doivent être sur la ligne.
toutes les minutes, on augmente de 0,5 km/h. Ça paraît pas beaucoup, 0,5 km/h, mais quand on est déjà à 11 km/h, on passe en 12, c'est beaucoup. Hein. Ça commence à 8, on est à 8, hein, donc c'est 8, c'est la marche. Pour une première minute, elle va faire à se caler, hein, ça c'est normal. Hop. Ligne B, voilà. Prochain départ, ligne B. Donc là, il y a 15 secondes de récup. Et on est sur les efforts intermittents. Allez-y, à chaque clip, vous y allez. Et doucement, doucement. Et le but, c'est d'arriver. Il ne faut pas arriver en avance. Hein. Voilà. On essaie de garder une vitesse régulière. Alors, les premiers, voilà. Vous êtes en avance. Réduisez la vitesse, réduisez, réduisez. Voilà. Il n'a pas tout compris, lui. Ok, stop. Donc là, on est ligne C sur notre prochain effort. Alors, ça, alors faire des tests pour faire les tests, ça sert pas à grand chose, à part faire courir les joueurs. Comme ça, faire des allers-retours sur le terrain. Faire des tests, c'est bien pour connaître le niveau, l'état physique de vos joueurs, au niveau de l'aérobie. Et ça va vous permettre, après, sur le sein, bah, d'adapter l'intensité, les distances à parcourir, éventuellement faire du groupe de travail. Parce que parfois on travaille sur du 15-15, 30-30, on va le voir, tout le monde fait la même chose. Alors qu'on va avoir des joueurs qui ont une VMA de 18 km/h, d'autres de 16. Ils ne peuvent pas faire la même chose. Soit, et la plupart du temps, ceux qui sont à 16, ben, finalement, les distances sont trop longues, ne peuvent pas faire, donc ils ne travaillent pas ce qu'on veut. Ceux qui sont à 20, c'est facile, ils ne travaillent pas non plus. Bon, chercher à adapter. Alors, on ne peut pas individualiser le travail à haut niveau. Notamment, il y a des préparateurs physiques qui s'occupent plus que ça, c'est individualisé. Hein, il y a des distances même. Là, c'est pas possible. Alors, il y a simplement, ça paraît peut-être un petit peu abstrait, il y a simplement, pour calculer les distances, c'est simplement un petit logiciel, un petit fichier Excel, ça que je pourrais vous donner. Quelqu'un qui s'arrête, palier 15, il suffit de marquer, hein, on rentre palier 15, et puis après, si on veut travailler 15, 15, 30, 30 sur des choses comme ça, ça va vous donner exactement le nombre d'allers-retours qu'il faut faire, aller-retour plus le terrain, voilà, en fonction de ce que vous voulez travailler. Tiens, venez ici. Vous êtes pas dans le reste du test. C'est pas la droite. Voilà. Alors, donc ça c'est la première donnée qu'on a. On connaît l'état de l'équité. Alors après, on veut travailler l'aérobie. Alors effectivement, on peut travailler l'aérobie en faisant des matchs. Dans du 3-3, du 5-5, du 4-4. Je vous montrerai après une situation avec ballon, mais on peut travailler l'aérobie. Par contre, on ne maîtrise pas vraiment ce que l'on travaille. Et surtout l'intensité à laquelle on travaille. Parce que on sait bien, dès qu'il y a un ballon, il y a beaucoup de joueurs qui vont être sur place, il y en a qui vont courir plus que d'autres. On a du mal à quantifier vraiment l'intensité, le volume de travail. Par contre, on travaille quand même un petit peu l'aérobie. Quelqu'un qui n'a rien fait pendant 3 semaines, qui fait 1 heure de 5-5, il va progresser. Il va améliorer sa condition physique, ça c'est évident, tout le monde le remarque. Quand ça peut jouer, tout le monde. Par contre, pour aller plus vite, la condition physique, ce qu'on veut, c'est quand même améliorer ça. Mais déjà les mettre en condition physique, et puis après améliorer ça pour avoir des joueurs qui sont capables après de tenir une intensité élevée sur une durée importante. Donc, je parlais des footings. Tout à l'heure, les footings, moi, c'est des choses qu'on voit quasiment plus, ni même dans le football, ce sont des sports un peu moins explosifs, tout ça, avec des contraintes un peu différentes. C'est le footing de long, d'une heure, on va le courir, c'est des choses qui servent un petit peu au niveau cardio-respiratoire, mais qui, seulement, pour un basketteur, ne sont pas très utiles. Ne sont pas utiles.
Alors, l'aérobie, moi je la travaille uniquement, alors sans ballon, puis avec le ballon, je vous promets après, mais je vais faire déjà sans ballon. C'est sans ballon, on mesure vraiment ce que l'on veut. Et après, je ferai des petits exercices avec ballon. Le travail, l'aérobie, je la travaille uniquement de façon sur le travail intermittent, je l'appelle aussi le travail fractionné. Uniquement comme ça. Parce que ça a beaucoup d'avantages. Déjà, ça réduit le temps de travail. Ah, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de footing. Il n'y a pas besoin de travailler du fractionné, ça ne c'est pas un footing d'une demi-heure, une heure et demie, c'est des périodes qui sont courtes. Des blocs de 4, 6, 8 minutes. Cette fois, ça ne prend pas énormément de temps et pourtant on travaille. Et surtout, il y a beaucoup d'intérêt au niveau physiologique, au niveau du corps. Ça permet notamment de retarder l'apparition de la fatigue. Alors ça, ce n'est pas des choses que j'invente, hein. Ça c'est les scientifiques qui ont fait... c'est les scientifiques, les chercheurs de sport qui ont déterminé ça. Ça maintenant c'est avéré. Ça permet de retarder l'apparition de la fatigue et de récupérer plus rapidement. Dans un effort de type 1, dans un effort de basketteur, c'est exactement ce que l'on recherche. Ça permet, il y a ce qu'on appelle une accumulation de lactate un peu moins, on travaille comme ça, et lactate c'est l'acide qui fait mal dans les jambes, là, sur les efforts longs et intenses. Et alors ça permet de développer la capacité à l'aérobie, ça c'est des choses, qui sont importantes dans les efforts d'un basketteur. Ça permet d'améliorer la capacité à répéter les efforts intenses, surtout, j'insiste bien, c'est la répétition d'efforts intenses, avec le temps de récupération, et surtout, sinon c'est des efforts adaptés au basket. Alors, là on va faire un ou deux exemples, on va pas le faire autant pour pas les fatiguer. Donc quand on fait du travail, on peut faire du travail comme ça, voilà, les retours. Alors par rapport au test que l'on a, par exemple, voilà, ils sont tous au même niveau, ils ont des VMA, on sait que là, on va leur travailler. Alors, quand je parle de 15-15, 30-30, je pense que ça vous parle un peu, c'est 15 secondes d'effort, 30 secondes, 15 secondes de récup, toutes ces choses-là, à chaque fois, un temps de course, un temps de récupération. Je vais vous montrer deux trois situations qui sont utiles à travailler. Alors, avec un principe toujours, on ne fait jamais courir, on ne fait jamais de travail intermittent avec ces joueurs en dessous de 100%, alors on parle en pourcentage, 100% de la VMA, c'est-à-dire de ce que par rapport au test que vous avez fait, si vous faites courir des joueurs, vous faites des 15-15, des 30-30, des 10-20, enfin peu importe tous les efforts intermittents qu'on veut, si on est en dessous des 100% de la valeur qu'ils ont eue sur le test, bah on fait de la récup en fait. Hein. On est quasi, enfin, on exagère un peu, par penser à 70%, on est dans de la récup. Donc on fait pas de, donc ça n'a aucun intérêt, c'est de perdre de temps. Pour le coup, autant faire des marches. Alors, donc on peut travailler, on pourra travailler à 100%, 105%, 110%, 115%, ça c'est des choses quand on rentre sur le fichier Excel, ça nous donne les distances à parcourir. Début de préparation, l'objectif ça va être de monter l'intensité et le volume. Donc on va être proche. Ça va être, on va être proche des 100% de VMA, c'est-à-dire vraiment dans du footing, pas dans les choses qui sont violentes. L'objectif, c'est de progresser. Plus on va avancer dans la préparation, alors au début, on va monter le volume et l'intensité sur 3 semaines, à peu près sur 3 semaines. Donc on va monter les deux. Donc le volume, c'est la quantité de répétition. Hein, le volume, c'est quantité de répétition. Combien de séries, combien de temps, l'intensité c'est ça, c'est 100%, 110%, c'est la distance à parcourir. L'intensité c'est la distance en 15 secondes, c'est pas la même chose que de faire un aller-retour, où on pourrait peut-être être à 100%, ou un aller-retour plus franchir le milieu de terrain. Ça c'est l'intensité, c'est la distance que l'on met.
Les volumes, c'est le nombre de répétitions. Est-ce qu'on le fait 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes? Sur le début de saison, on doit monter sur les 3 premières semaines, on doit monter les deux. On doit monter l'intensité et le volume. Sur les 3 semaines suivantes de la préparation, plus on va se rapprocher du match, on va garder l'intensité, et on va baisser le volume. On va diminuer le volume, la quantité, parce qu'on va se rapprocher. On va faire des choses plus spécifiques. Et puis sur la dernière semaine, on va avoir vraiment un affûtage, où là on va être en effort dans du 15-15 ou dans du 10-10. Avec le ballon, même dans les deux dernières semaines, on va faire tout ça. Donc ça, au début, pour vous donner alors, un petit exemple, comment ça peut se dérouler, on va faire juste 45 secondes. Hein, voilà. En senior, alors là, c'est pas les seniors, donc c'est pour ça on va pas le faire longtemps. En moyenne, hein, 15 secondes, ce que je dis, ça fait aller et retour, plus arriver jusqu'au milieu de terrain. Si on veut être dans l'intensité, c'est ça. Là, on va être à peine à 105%. Je parle vraiment en moyenne. Les joueurs qui ne courront pas, ça va dépendre de l'état physique. C'est pour ça que j'ai parlé du test avant. Et au bout de 2 semaines, avec 3 entraînements par semaine, on trouve, voilà. Ça, c'est la grande, on va dire, 60% des joueurs, qui peuvent faire ça. Je veux dire, 4 minutes au début, 6 minutes, voilà. Donc, plus on demande, alors on va le faire. On va le faire simplement. J'écarte un petit peu. Alors, c'est au chrono. Alors, vous avez peut-être par rapport à la difficulté, c'est pour que je monte simplement le développement des exercices. On va travailler en 15-15, donc 15 secondes, voilà, hein, aller-retour, plus jusqu'au milieu de terrain. Donc, coup de sifflet, vous y allez. Donc, là, il y a le problème, il existe aussi des bip-bip hein, qui sont déjà faits, vous mettez en route. Donc coup de sifflet, vous partez en courant, allez, retour, plus juste au milieu de terrain, et après vous marchez jusqu'au bout là-bas, récupération facile. Hein, sur les efforts courts comme ça, la récupération, ça sert à rien de courir, on marche, on souffle, on récupère. Récupération passive, on ne fait rien. Alors, récupération active, c'est du footing de lance, c'est des lancers. Vous êtes prêts? Donc tranquillement, là, allez! Là, ils vont être au-dessus de 15 secondes, hein, ils vont être au-dessus de 15 secondes, ça me plaît pas. Voilà, hop, marche. Après la récupération, là il faut rien faire, c'est vous marchez, vous soufflez, vous marchez jusque là-bas. Alors peut-être que vous allez avoir un outil à percer, peut-être qu'il y a un coup, ça va être aller-retour, je vous lance le vent. Ouais, toujours adapté par rapport à l'état physique des joueurs. Et là, on sait qu'en faisant ça, on est dans certaines filières, alors je ne vais pas développer, mais on est dans certaines filières au niveau physiologique qui font que c'est vraiment utile pour la répétition, pour améliorer la récupération, pour améliorer la répétition des efforts. Donc ça, on a du 15-15, on peut faire la même chose, donc 30-30, 20, 10-20, il y a tout un tas de... d'exercice, de distance, de temps à faire. Ça, sur les 3 premières semaines, on monte l'intensité, on monte le volume. On progresse très vite. Les joueurs vont progresser très vite au niveau cardiaque, au niveau en termes de récupération aussi. Et quand on commence à être un peu plus affûté, on pourra pouvoir mettre ces situations. Donc le 15-15, 10-20, tous ces exercices-là, avec ballon. Alors comment je mets ça en place? Venez ici, remettez-vous là. Donc quand je l'appelle à l'intensité, on part de 100%, on monte pour aller jusqu'au décalage. Hein, 105-110%, volume, c'est la durée, quantité de répétition, pas juste un titre, un exemple comme ça, on peut en senior, à des joueurs qui sont à peu près en forme, au bout de 3 semaines de prépa, on peut faire 3 blocs. On peut faire 3 blocs de 5 minutes en 15-15 comme ça. Et là on progresse, ça prend 20 minutes,
sont entre les deux, bon, 1 minute 30, ça prend 20 minutes, et ça, ça vaut vraiment, et ça vaut plusieurs matchs ce soir, ça, en termes d'intensité de volume, ça prend, ça, en termes de préparation physique, on avance beaucoup plus vite. Donc maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir mettre des situations avec ballon. Alors par exemple, du 10-10, 15-15, 30-30 de la même façon, sous forme de 1 contre 1. 1 contre 1, 4-2, 1 contre 1, tout est 1. Un groupe qui travaille, un groupe qui en récup. Alors on divise le terrain en 3, hein, en 2 ou en 3 en fonction du nombre. En fonction du nombre de joueurs que vous avez. Je vais mettre au milieu là. Non, c'est bon. Mettez-vous là. Ah, vous imaginez qu'il y a 12 joueurs. Décalez-vous par là. Hein. Hein, vous avez 12 joueurs. Ça vous faites en 3. Hein. 4 au milieu. Là, vous faites 3 joueurs. 3 joueurs de 1 contre 1. Face à face. Hein. Mettez-vous face à face. Et donc là, on va travailler pendant 10 secondes, 1 contre 1, intensité. Alors là, il y a des pensées de basket en plus, hein, on demande vraiment pression, intensité défensive, on compte des points, etc. Donc 10 secondes, 1 contre 1 à fond, à intensité maximale. C'est surtout la pensée défensive qui va donner l'intensité du 1 contre 1. Hop, 10 secondes, et suivant, ils vont. Ainsi de suite, hein, vous attendez au milieu de terrain. Et ça, on fait ça 5-6 minutes, deux fois 6 minutes. Et là physiquement, on est encore dans du travail intermittent, on mesure un petit peu moins, on a un peu plus de mal à quantifier vraiment ce que l'on travaille au niveau physiologique, mais on est vraiment on sait qu'on est dans des efforts basket. Et en plus de ça, maintenant, au niveau, en termes de déplacement, on a des changements de direction, on a de la défense, des appuis, des choses qui sont un petit peu différentes. Prenez le ballon, allez prendre un ballon, on va le faire une fois ou deux. Donc là, ils sont pas échauffés, hein, donc on ne fait pas à intensité maximale. Là, ce qui est important, c'est vraiment mettre beaucoup d'intensité défensive. Et l'attaquant, là, c'est on peut limiter le nombre de dribbles pour passer le terrain, on peut faire plein de choses, plein d'astuces pédagogiques pour vraiment obliger les joueurs à être en intensité maximale. Mettez-vous sur le côté. À chaque coup de sifflet, vous sortez, les suivants, vous attaquez tout de suite. Hein. Dès qu'ils sont partis, vous attaquez tout de suite, un attaquant à défenseur. On fait le milieu de terrain, hein, on coupe le terrain en deux, vous n'avez pas le droit de franchir, on imagine qu'il y a plus. Allez, là, et à tout terrain, à tout terrain. On passe pas le milieu de terrain. Non, coupé le terrain, vous n'avez pas été, j'ai coupé le terrain en deux dans la longueur. Ah, si on imagine qu'il y a un autre groupe qui va travailler, on met en place. L'axe panier-panier, c'est la ligne de touche. Dès que vous récupérez la balle, on attaque. Hein. Après, on peut mettre les sanctions, sur des nombres de paniers, tout ça sur le bloc. Allez, hop. Donc là, plus d'intensité. L'intensité défensive, parce que là, si la balle sort, on prend la balle, il n'y a pas de touche. C'est parti. Allez, vous partez tout de suite. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire après 2-3 semaines de prépa, dès qu'on est un peu
dès qu'on a déjà bien travaillé sur la partie fractionnée, avant sur les remises sans ballon, sur les allers-retours, comme ça, on a bien mesuré les choses. Après, voilà, un peu de ballon, et on peut finir sur les deux dernières semaines. On a moins besoin d'aller loin dans les limites au niveau aérobie, vraiment sous forme un peu plus jouée. Alors là, il vient de falloir donner tous. Combien 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Dans du jeu, comment on peut intégrer du travail intermittent comme ça dans du jeu? Alors, c'est certainement des choses que vous avez, un exercice que vous avez déjà fait. Forcément, avec les interactions de jeu, tout ça, on ne va pas être dans l'intensité maximale comme sur du 1 contre 1. Là, on va être vendu, là, je vais faire du 60 minutes. Alors, je vais vous laisser jouer avec vous là. Donc, allez. Les blancs. On va faire 90 parce qu'il ne connaissent pas. Ce sera plus simple. Pendant 1 minute 30, vous allez attaquer sans arrêt. Vous allez attaquer là-bas. Vous avez le droit à un shoot par possession. Pas de retour offensif. Un shoot par possession. Une fois que vous avez shooté, vous récupérez la balle. Pas de remise en jeu. Vous attaquez de l'autre côté. Sans arrêt. Un shoot par possession. Vous changez de panier à chaque fois. Dans 1 minute 30, vous défendez. Donc là, il n'y a pas de perte de temps sur le rugby, sur les transitions, on est tout le temps à fond. Hein. Là, on va courir. On est toujours dans la prépa physique, on n'est pas dans la préparation collective sur ce genre de situation. Alors, je vais certainement arrêter notre parcours pour donner notre point de vue. Donc vous attaquez, un seul shoot, hein. On rappelle un seul shoot. Les défenseurs, si vous interceptez la balle, vous êtes en défense, vous interceptez le ballon, vous posez par terre, et c'est comme s'il y avait eu un tir. On change de direction. Allez, jaune, là, il y a interception, il y a un jaune qui prend la balle, on pose par terre, les blancs, vous récupérez la balle et vous attaquez la balle. Alors, je ne sais pas s'ils sont malins ou pas, mais avant ça, interdiction de mettre un avant-centre de chaque côté. Hein. Vous êtes obligé, avant, hein, à chaque fois que vous partez là-bas, les 5 joueurs vont devoir franchir le milieu de terrain avant de repartir là-bas. Hein? Ah si, ils vont pas ça. Mais tu restes pas dedans, tu n'attends pas la balle là-dedans, on prend ça. Alors on va faire, vous êtes prêts? Thank you.
C'est ce qu'on veut, là, on est dans du travail physique, plus que dans du travail basket. Sauf que c'est un peu plus ludique et c'est un peu plus motivant pour les joueurs. Voilà, prendre ce long terme avec vous, c'est bon. Vous êtes prêts? Allez, go! 4 points! Donc là on est dans un intermittent un peu plus long, mais c'est du travail. Ça c'est du travail aérobien. Attention, là on est dans de la, là on est dans de la préparation physique intégrée, on est vraiment dans de la pratique basket. Mais avec quelques consignes, hein, le fait de faire des allers-retours comme ça, on sait que là, on sait qu'il va y avoir un peu plus d'intensité, plus de course que sur du 5-5 avec alternance, attaque, défense, hein, avec la notion de rugby, tout ça de jeu placé. En même temps, pour les joueurs, c'est des choses qui sont un peu plus ludiques, un peu plus motivantes. Et la seule contrainte, c'est que de faire ça en début de préparation, on ne sait pas vraiment où on va. Hein? Avant ça, il y a quand même un travail de préparation athlétique à faire pour ramener les joueurs déjà à un certain niveau, pour être à un certain niveau d'intensité, à un certain niveau physique. On est capable de faire ça. Et tout le travail qu'on a fait sans ballon, pour moi, il paraît que tout le travail qu'il y a à faire quand même sur la course, sans ballon intermittent, soit pour améliorer l'aérobie, la capacité à l'aérobie, toutes ces choses, toutes ces données physiologiques, elles sont quand même essentielles. Elles sont essentielles aussi parce qu'en faisant, ça permet aussi sur la durée d'une saison d'avoir un maintien physique plus facile que en étant toujours sur du jeu. Alors après, on pourra le voir après en conclusion, il y a toujours quelques petits rappels d'aérobie à faire en cours d'année, parce que si on fait ça au mois d'août, et qu'après, jusqu'au mois de mai, il n'y a aucun rappel, il n'y a plus rien, ça n'a pas d'intérêt. Ah, si on fait du travail physique, 3 semaines pendant l'année, des courses comme ça, et qu'après, jusqu'au mois d'avril, il n'y a plus rien du tout, alors il va être fait de façon un peu différente. Parce qu'en cours d'année, on n'a pas le temps de faire ça, il y a match tous les samedis. Mais il y a des petites astuces sur le travail de gainage avec des cordes, des choses comme ça, pour faire des petits rappels à aérobie, notamment à l'intersaison aussi, où on peut, on doit ramener des rappels comme ça, on doit refaire un peu de travail intermittent pour ramener le corps, hein, pour ramener nos capacités physiologiques à niveau. Parce que quelqu'un dit ça, il y a à peu près 2-3 semaines de pause à Noël, 2 semaines, on va dire au moins 2 bonnes semaines d'entraînement de pause. Déjà, la plupart ne font rien, sur le plan physique. S'il n'y a pas de rappel derrière, c'est perdu. Hein. C'est perdu. Vous ne reviendrez pas à nous. Alors, on va passer. Donc, ça, c'est sur la partie, voilà, sur la partie endurance. Capacité à tenir un match, capacité à répéter des efforts. La deuxième qualité physique qui me paraît essentielle à développer à notre niveau, c'est la vitesse. Alors la vitesse, c'est un peu vraiment la vitesse dans le sens, comme je l'ai dit, dans le sens vraiment large. On va dire plutôt les composantes de la vitesse. C'est ce qui va nous permettre, ce qui va permettre à nos joueurs d'être efficaces, de partir vite, d'améliorer un peu la vitesse. Alors, la première des composantes, c'est le gainage.
Le gainage, il n'est pas utile que pour courir vite. Hein. Il est utile en défense, au rebond, sur le shoot. C'est essentiel, hein, le gainage, pour sur le tir. Mais c'est juste qu'il faut travailler. Donc, moi, qui me paraissent important de travailler, surtout si vous avez des jeunes joueurs. Là, il y a un gros boulot à faire. Et le gainage, ce n'est pas simplement les abdos. Hein. Parce que quand on fait les abdos en muscle devant, on oublie toute la pronée, on oublie tous les muscles dorsaux, tout ce qui est dans la. Le gainage, c'est vraiment le bassin gain, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a, c'est devant, côté, derrière. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les exercices de gainage. Soit vous les connaissez, soit vous les trouvez sur Internet. Et alors là, pareil, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je vais vous montrer deux situations. Alors, je vais prendre. On m'a dit que t'étais bien avec l'âge. Quelques situations, là, quelques petits exercices. Le gars là, il y en a un qui se met là, qui se met. Ah, déjà. Tiens, vas-y, mets-toi, tu avances au sol, tu vas te mettre derrière. Vas-y, mets-toi allongé, sur le sol. Ah, tu vas te mettre sur le côté, tu vas mettre ta tête par là. Voilà. Alors, tu vas commencer sur les avant-bras. Donc là, la position que tout le monde, vraiment de base, que tout le monde connaît, ce qui est important, c'est de ne pas avoir la tête rentrée ici, les épaules. Hein, donc là, on voit que c'est droit, après il y a des tests, hein. Si on met l'avant-bras ici, si on sent qu'il y a un creux, ici c'est le dos, les creusés, et ça c'est pas bon. Pas bon pour lui, hein, pour la pénibilité du joueur. Voilà, là j'en peux lâcher un peu. Donc ça c'est la position de base. Alors après, avec les enfants, mais c'est bon, on peut amener, vas-y, les là. Moi je les fais toujours travailler par deux, hein. Tu travailles, un qui en récup. Et là, donc. Toi, tu vas lui toucher soit le bras là, soit celui-là, soit sa jambe là, soit la jambe là. A chaque fois que je touche, tu lèves, tu tends ton bras vers l'avant. Vas-y. Voilà. Là, si là, tu lèves le pied, tu reposes. Voilà, tu l'arrêtes. Et à la fois. Heureusement que j'ai pas mis le troisième pas. Ah, et par contre, effectivement, on peut également. Et ça, toucher les deux d'un coup. Vas-y. Là, si on touche les deux d'un coup. Sur les adultes, il n'y a aucun problème. On travaille, hein. Alors, il n'y a pas besoin de faire une minute, il n'y a pas besoin de faire une minute, un gainage. Hein. 30 secondes de travail comme ça. Vas-y, un petit peu, se repose. Tu vas toucher. Donc là, ils sont par deux, vas-y, hop, tu le fais travailler. Et tu reposes tout de suite, tu tends, tu reposes, ça amène des déséquilibres. C'est ça qui fait travailler les muscles. Tu lèves, tu reposes. Ok, il est sympa, hein. Ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Vas-y. Top. Donc ça, deux d'un coup, hein. Un bras, une jambe. Donc ça, alors, moi, ça, vous faites ça avec les seniors, ça va travailler, ça va reposer un petit peu, ils s'amusent. Et c'est plus sympa que d'avoir tout le monde les uns à côté des autres, à attendre le chrono, à attendre le coup de sifflet. Sur le côté. Justement, donc là, on a ça. Alors, là, c'est bien, il le fait avec l'habitude. Ça fait rien pour l'alignement ici. Parce que si on a les bras qui traînent par là, les poils là, par là, on ne peut pas les aligner. Donc là, il faut vraiment. Donc là, ce qui est important, c'est que les joueurs, c'est qu'il y a un alignement, genre, là, avec. Ok, c'est bon. Après, on a sur le dos. Alors là, je peux serrer un peu les bras. Là, on a déjà entendu. Alors là, pareil, hein, vas-y. Ouais. Là, on peut lever une jambe. Hein. Hop, sans arrêt, lever l'autre. J'ai avec des seniors aussi. On met toi sur l'autre sens. Hein, il peut y avoir donc, les déséquilibres, les charges.
Poussez, assis, voilà, mettre, voilà, là, tenir, là, tenir, tu dois résister à la poussée. Si on a du matériel, on peut mettre 20 kg. S'ils sont costauds, un joueur, voilà. Voilà, on a ça, tu as aussi, vas-y, mets-toi. Alors, remets-toi sur le dos. Remets-toi sur le dos. Jambes-pieds. Et pied au sol. Non. Ouais, voilà, ouais, tu peux l'avoir comme ça, tu peux l'avoir avec tes avant-bras aussi. Voilà. Hein, tous ces petits exercices sur le côté, en tant que lever après, là, ça, lever la jambe. Voilà, toutes ces choses. Donc là, on travaille ça. Vous pouvez dans tous les deux allonger sur le ventre. Pour renforcer tout plus un peu le spinos, les dorsaux. Ça. Tu vas lever, prendre les bras d'avant. Alors, là, il fait avec les deux. On peut faire aussi au début, là, tu as les bras, lever, tu as les bras, pose les bras, voilà, lever, écarte les pieds, voilà, lever, tu as les jambes, les deux, là on travaille sur tous les muscles. Donc ça, pareil. Alors ça, par contre, il faut le faire sur une certaine durée, parce que c'est des muscles, bon, j'ai besoin de. Alors tout ça, donc, bon, après, il y a toutes les autres postures, hein, ça, il y en a plein, on n'a pas le temps de toutes les montrer beaucoup plus. Tout ça, on doit le coupler quand même à un travail dynamique. Si on fait, on vient, il y a les isométries, là, ce qu'on appelle les isométries, là on bloque, bon, il y a un peu de déséquilibre, tout ça. Derrière ça, il faut quand même mettre un peu de travail d'abdos. Ah, donc on fait là, 30 secondes, bosser chacun 30 secondes. Après, on enchaîne une série, une grande droite, des obliques. Voilà. Un temps d'isométrie, un temps de travail dynamique. On alterne. Alors moi, le gainage, je le fais aussi. Sur des rappels d'aérobie, par exemple sur les fins d'entraînement, l'entraînement est terminé. Quand on a la chance de pouvoir avoir la salle un peu plus longtemps, le petit pas gardien qui vient de fermer, on peut encore rajouter sur 10 minutes d'entraînement une fois que l'entraînement est terminé, 10 minutes à un quart d'heure, par deux, un qui travaille, un qui fait du travail de gainage, qui est différents exercices à deux, l'autre à la corde, et on fait du. Et voilà, on fait 50 secondes de l'air, l'autre fait 50 secondes de corde, hop, 10 secondes de pause, on inverse, on fait ça 8 minutes, et ça c'est des rappels d'aérobie. On fait muscle, là on travaille sur les composants de la vitesse, sur le ménage, tout ça, et en même temps on fait de l'aérobie. Hein, on a sauté, on travaille d'aérobie. Et ça c'est des rappels d'aérobie qu'on peut faire en fin d'année, qu'on peut faire de temps en temps dans la séance. En plus des entraînements, j'ai bien dit, on fait ça il faut pas que ça prenne 20% de votre temps d'entraînement, parce que la priorité en saison c'est quand même le basket, c'est quand même la préparation des matchs. Mais quand on peut le faire, hein, après 2 heures d'entraînement, 10 minutes de plus, ça fait pas de mal, on peut faire ça et ça fait et sur le plan physique, c'est important. Voilà. Pour le gainage, deuxième composante de la vitesse, il y en a 4, c'est ce que j'appelle la vitesse gestuelle. Alors, la vitesse gestuelle, c'est tout ce qu'on peut faire avec les sauts à la corde. Le tipping, monter l'escalier, surtout avec une grosse fréquence élevée. Alors là, il y en a un peu moins. On va fermer une échelle. Je n'avais pas prévu de faire avec ça, mais là, comme j'ai une échelle de riz, je vais vous montrer juste ça. Et là on réfléchit et on fait le plus vite possible.
Alors après,
plein d'autres exercices comme celui-là à inventer. Comme ça, c'est la vitesse gestuelle, c'est ça, c'est la vitesse des pieds. On peut travailler avec son âme. Alors, sur les deux dernières composantes, je vais vraiment passer rapidement dessus parce que je ne vais pas échauffer et puis c'est pas forcément bon. Comme ça, je ne vais pas pouvoir le faire, c'est pas forcément bon à la base. Alors, c'est troisième composante, c'est la pliométrie. Alors, la plio, c'est les bonds. Hein, c'est les foulées bondissantes, les escaliers. Alors, quand je dis escaliers, c'est pas deux fois à chaque fois, hein, c'est sauter, descendre les escaliers en sautant, pieds joints, ou les monter, ou deux marches. Marche par marche. Sauter d'un banc, fléchir, sauter sur un autre banc. Donc ça va, vous trouverez plein d'exercices. Il y a des livres, il y a plein de trucs. La plio, ça fait partie des composantes de la vitesse. Inconvénient, c'est... Alors c'est très efficace. La plio, c'est très efficace pour la détente. Pour la vitesse, pour le démarrage. Par contre, comme tout ce qui est très efficace, c'est assez agressif au niveau des articulations. Notamment, c'est les gens qui prennent. Après, on voit souvent, après, même sur les seniors, on voit ça à un autre niveau, quand il y a le bol matériel, la plio, on la fait avec les barres. Les squats, des squats, c'est de la plio. On est dans la posture, mais c'est de la plio. Les bancs, les fentes, hein, tout ce qui est fente, ça c'est de la plio, ça c'est utile. Ça fait partie des composantes de la vitesse. On doit développer, on doit travailler pour améliorer ça. Voilà. Dernière composante de la vitesse, alors il y en a d'autres, mais c'est les quatre plus importantes, c'est l'explosivité. C'est la capacité à partir vite. Alors ça, on va pouvoir. Tiens, tu viens ? Non, je vais faire juste. Ça se travaille essentiellement sur les démarrages. Donc ça peut être parti, ça peut être sur des petites distances, partir dans une chaise contre lui ou des choses comme ça. Moi, je vais vous faire un petit exercice avec ma lame. On travaille avec les pieds. Comme ça en isométrie, il va y avoir une fatigue musculaire. Alors c'est pas recommandé pour chez
chez les plus jeunes. Hein. Je vais peut-être jeter la balle plus fort, il n'y arrivera pas. Alors que si, avec une seconde d'isométrie, ça va être plus facile. Plus on va augmenter le temps d'isométrie, plus ça va être dur derrière, mais ça fait partie du travail développé pour améliorer l'explosivité. Et donc la vitesse, parce que l'explosivité, ça fait partie, c'est une composante importante de la vitesse. Et on en a besoin, hein, pour rester sur les dépendances libres, on dépend sur les changements de direction. On récupère un ballon pour partir en attaque, et la première seconde, c'est le travail d'explosivité qui sert. Voilà. Alors, bon, un peu sur tous les thèmes développés là sur la vitesse, je vous montre une ou deux situations à chaque fois, il y en a vraiment ça. Les exercices, on les trouve, on les invente. Ils peuvent être mis en place sous forme de circuit, le circuit training que vous connaissez tous. Ce qui est important sur les circuits training, c'est d'adapter les temps de récupération. Notamment dans les travaux de biométrie ou d'explosivité, on ne peut pas faire 30 secondes de bio, 30 secondes de récup, c'est pas possible. C'est 5 secondes de bio, de bombe, ça, 25 secondes de récup. Et même si on a l'impression de ne pas travailler, c'est comme ça qu'il faut travailler, parce que sinon on ne développe pas la qualité. Après, quand on veut faire des séances de vitesse pure, si vous enchaînez du travail de sprint, même de sprint court, que vous les enchaînez sans un temps de récup adéquat, vous n'êtes plus dans du travail de vitesse, vous faites de l'aérobie. C'est 10-15 fois, là si vous faites un sprint de 5 secondes, vous multipliez par au moins 10 fois le temps de récup. Au moins 10 fois. Alors après, je ne vais pas vous faire toute l'explication, c'est par rapport au musculaire, par rapport aux filières énergétiques. Voilà. Mais les séances de vitesse pure, ben c'est comme en fait. Je pense qu'il est plus important de travailler les composantes de la vitesse, qui servent pour plein de choses, qui servent pour le tir, qui servent pour la défense, que de faire des séances de vitesse pure. Qui prennent du temps, qui font mal et qui prennent beaucoup de temps. Hein, une séance de vitesse pure, on peut faire que ça. Voilà. Alors après, tout ce travail physique, on le sait pour finir, il faut. Là, ce que j'ai dit en introduction, c'est qu'il ne fallait pas que ça prenne trop le pas sur la préparation collective, sur la préparation d'équipe. Moi, sur du début de saison, dès les premières séances, on joue au basket. Dès la première séance, on joue au basket. Et le temps de préparation physique sur les premières séances, il y a vraiment un problème. C'est même pas 50% du temps d'entraînement. Parce que sinon, après, on perd les joueurs. Là, les joueurs, ils viennent aussi plus bien, surtout pour faire du basket. Donc on sait que déjà, il faut vendre votre prépa aussi. Hein, ça, c'est faut vendre ce que vous faites aux joueurs. Comme pour le reste. Quand on est à 40% sur une grosse séance de temps de travail, hein, sur 2 heures, 2h15 d'entraînement, 2 heures d'entraînement, 40% consacré à la prépa physique, pour moi c'est les plus grosses séances. Après, il y a pas mal de façons. Et puis après, plus on avance vers le début de championnat, moins temps de préparation physique est important, mais il est quand même là. Du travail intermittent, ça peut prendre des fois qu'un quart d'heure sur une séance, mais ça apporte quand même déjà sur la condition physique des joueurs. Condition que le joueur soit là, évidemment, c'est important. Ça c'est d'autres problèmes, je parle. Ça, c'est encore par le principe que les joueurs s'entraînent 2-3 fois par semaine, qui sont là. Voilà, alors s'il y a des questions, moi j'ai terminé. Là-dessus, alors s'il y en a qui veulent récupérer, que ce soit le test du Shite là, que j'ai fait, les fichiers Excel, tout ça que j'ai, tous les trucs, ça peut. Il n'y a aucun problème. Moi je peux vous les envoyer. Hein, c'est pas le but. Il faut juste vous donner une adresse. Je pense que tout ce qui est. Par contre, les sons audio, tous les fichiers audio, on les mettra pas. Ce que j'ai écrit, je veux bien le mettre sur le site, mais tout ce qui est fichier audio, fichier Excel, ce ne sera pas ça, parce que je pense que c'est quand même des droits.
je pense pas que... Je pense qu'il y a des licences, ça ne devait pas... Ça doit pas être diffusé, je pense pas qu'on puisse le diffuser comme ça sur un site. Mais par contre, vous envoyez, y a aucun, vous envoyez tout ça, il n'y a aucun problème. C'est que des fichiers audio, des petits fichiers Excel. Voilà, j'ai terminé. Merci.